Bonsoir, bonsoir ou bonjour, hein, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Une petite présentation d'un couteau que je trouve assez sympa. Donc c'est un couteau qui a été fait par un coutelier qui s'appelle Saxo, qui est situé à l'île de la Réunion. Donc c'est un couteau qui s'appelle Le Gaillard. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est l'utilisation d'écailles de tortue pour le manche. Alors pas de panique parce que l'écaille de tortue c'est issu d'un stock datant d'avant 1984, c'est des tortues d'élevage. Donc on a un petit certificat qui est fourni avec. Donc ce qui est assez sympa c'est que bah voilà, c'est pas un matériau qu'on trouve partout. Faut avoir des tortues chez soi et tout, c'est assez compliqué. Enfin bon. Donc voilà, c'est un couteau que je trouve super sympa. On est sur de l'acier 12C27, donc avec un polissage ici, enfin une finition mate. Avec à l'avant ici, on ne va pas forcément bien le voir, mais l'inscription ici, Saxo Réunion. Voilà, ici, deux vis. C'est pas un système. Voilà, il n'y a pas de système de blocage. Voilà, une fois ouvert ici, on vient simplement hop, caler la lame. Voilà, un petit anneau ici à l'arrière qui va permettre soit d'y accrocher une petite corde, soit de venir ici un petit peu, voilà, bloquer la lame dessus. Donc le tranchant est efficace. Voilà, donc c'est pas un couteau de combat, hein, comme on peut le voir, ça va être plutôt un couteau voilà pour le dîner, pour le petit casse-croûte. Un petit guéochage ici au-dessus là qui est super sympa. J'en ai plusieurs pièces de chez lui, je trouve qu'il est il est assez fort là-dedans, dis donc, hein. Il fait des trucs pas mal. Hein. Donc voilà, donc il y a un site internet. Donc vous allez pouvoir avoir le site internet. Donc c'est vous allez simplement taper Saxo S-A-X-O Île de la Réunion. Et vous allez tomber sur son site. Donc il propose plusieurs couteaux avec plusieurs essences de bois issues notamment des espèces endémiques de la Réunion. Et si vous avez de la chance, vous allez pouvoir encore trouver des couteaux ici avec en écailles de tortue. Voilà, au niveau des tarifs, un couteau comme ça est entre 100 et 200 euros environ. Voilà, si on aime, je vous conseille d'aller le voir. C'est un couteau qui est, enfin celui-ci en tout cas avec l'écaille de tortue, c'est un couteau qui est hyper léger. Je sais pas, j'ai pas son poids, mais c'est vraiment super léger. C'est livré avec un petit étui en cuir, voilà, simplement. Et le petit certificat qui vous indique que, comme le dit la Convention de Washington, les tortues, c'est gentil et qu'il faut pas les tuer, tout ça, machin. Donc, comme on en avait, voilà, on l'a utilisé, hein, au lieu de le foutre en l'air. Hein. Donc, je trouve ça assez sympa. Pas de tuer les tortues, hein, de faire des manches de couteau avec. Hein. Voilà, en vous remerciant, à très bientôt.